Well, let's go! Il n'aura pas fallu longtemps à Johnny Hallyday pour créer autour de sa personne un véritable culte. Nous sommes en 1966, il a 23 ans et provoque déjà chez ses admirateurs une incroyable hystérie. Mais écoutez plutôt les jeunes femmes venues faire le pied de grue devant les appartements de la star. Elles sont très motivées. On ne le considère pas comme un homme normal d'ailleurs. Hein. C'est notre idole. Oh, bah, c'est notre idole. C'est un dieu. Yeah! Même il n'a pas besoin de parler. Il passe, ça y est, on est contente. On n'a pas attendu pour rien. Voilà. Moi, je trouve qu'il a des pulls formidables. La façon de s'habiller. Bon, ses pulls et ses bottes. Comme il fume énormément, à chaque fois qu'il jette une cigarette par terre, je le ramasse, puis je le garde, et puis après, dans les petites boîtes, je mets la date. Moi, j'avais réussi à avoir une cravate à l'Olympia, il me l'avait donnée, puis on me l'a fauchée. J'avais gardé, je ne l'avais pas lavé, elle est restée mouillée pendant 2 jours, il y avait ça de souhait. C'est pas énorme. C'est énorme. Malgré tout, dans les années 60, être un fan de Johnny ne va pas sans un certain goût du risque. Pour éviter que la situation ne dégénère, les services d'ordre doivent se montrer énergiques face aux admiratrices les plus téméraires. Rassurons-nous, aujourd'hui, il n'y a plus de risque à être fan de Johnny. On y va désormais en famille. Johnny n'est plus l'idole d'une seule génération, mais de toutes les générations, de 7 à 77 ans. Je suis le père et la mère, ma fille et son mari. J'ai été bercé avec Johnny depuis que je suis né. Et la passion s'est transmise entre père et fille. Ma femme a deux hommes dans sa vie, moi et Johnny. Non, Johnny et moi. Ça va pas, on met Johnny et hop, c'est reparti. Elle a commencé à me voir, elle avait 10 ans. C'est une drogue, pour moi c'est une drogue. Quand un coup de cafard à la maison, c'est un DVD, c'est. Et puis je suis guéri. Ah, pas besoin de médicaments, je suis guéri. Bonjour, Jésus.